Entrez. Puis-je reprendre le courrier, Madame Kozak? Oui. Non, attendez. Pas tout de suite. Oh, Monsieur Kozak! Oh. Alors, ma chère petite! Vous ne pensiez pas me revoir vivant, est-ce que je me trompe? Oh. N'ayez aucune crainte. Je ne vous avais pas oublié dans mon testament. Oh. Heureusement, ce n'était qu'une petite perforation. Et malgré cette expérience, j'ai gardé toute mon ardeur. Vous voyez ce que je veux dire? Tu ne cesseras donc jamais de faire ce genre de réflexion, idiote. D'accord, d'accord. Alors, chef. Je suis heureuse que tu sois revenu. Où est Holger? Oui, je ne m'attendais pas à le voir au bureau, mais le jour où je sors de l'hôpital, surtout après ce que j'ai vécu, il aurait pu au moins être là pour m'accueillir. Albert, je t'en prie. Bon, j'arrête. Ne t'énerve pas, surtout. Assieds-toi ici. Assieds-toi. Et attends. Là, voilà. Oui. Alors, où se trouve ton mari? Je pense que c'est l'heure de sa partie de squash. Tu sais, Elisabeth, je pense que la meilleure acquisition de notre fils, c'est elle, Suzanne Kozak. Parfois, je te trouve vraiment odieux, Albert. Excuse-le, Suzanne. Ça n'est pas grave, mère. Tu es d'accord avec elle, toi aussi? Non. Et pourtant, je dois l'être. Sinon, pourquoi aurait-on voulu me tuer? Monsieur Svensson va arriver dans quelques minutes. Est-ce que tout est prêt pour le recevoir? Je ne vois pas son nom sur l'agenda. Il ne vient plus? Non. Et pourquoi donc? Parce que je lui ai déjà fait signer le contrat il y a une heure. J'ai augmenté le prix de 200 000 marks par rapport à ce que tu demandais. Au début, il était un peu réticent, mais... je lui ai dit que c'était convenu avec toi. Il a signé sans rien dire. Mais il avait l'air plutôt contrarié. Elisabeth, elle a arnaqué le vieux Svensson. C'était pour acheter le terrain près de l'usine. Et justement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce que tu as à répondre. Tu es devenue complètement folle. Depuis trois générations, nous sommes dans l'immobilier. Depuis trois générations, les Svensson font des affaires avec nous. Et toi, tu fiches en l'air notre réputation. Calme-toi. La situation est loin d'être si terrible. Renvoie-lui son argent, l'incident sera clos. Et tu crois qu'ensuite, il nous prendra encore au sérieux? C'est incroyable. Il y a trois inspecteurs de la criminelle. Merci. Vous êtes le bienvenu, Monsieur Kress. Je suis encore en vie, comme vous voyez. J'espère que vous êtes ici pour m'apprendre le nom du criminel qui a voulu me tuer. J'aurais préféré que ce soit le cas. Par contre, vous pouvez me demander pourquoi il m'a tiré dessus. Ah oui? Oui. Eh bien, pourquoi? Parce que je suis odieux, voyons. Oui. Ma femme l'a dit tout à l'heure. Tu es odieux. Eh oui. Monsieur Kozak, nous sommes ici parce que nous aimerions avoir... J'espère que vous ne prenez pas mon mari au sérieux. Nous sortons à l'instant du bureau de monsieur le procureur. Nous aimerions savoir si vous voulez un garde du corps. Non. Comment dites-vous qui est très peu estimé en anglais, Monsieur Winter? Not is time, regardless of. Ça dépend de votre phrase. Notwithstanding est un peu... Regardless of, merci. Madame Wagner. Qu'est-ce que vous voulez encore?
Je voulais vous demander de venir dans mon bureau. Jamais je ne pourrai finir ce que j'ai à faire. Ils sont encore là? Oui. Il y a quelqu'un qui a... Enfin... On aurait dû me prévenir, ou alors... On essaye de le cacher. Soyez plus clair, Monsieur Winter. Quand est-ce qu'on a tiré sur Monsieur Kozak? Je veux dire, à quelle date exactement? C'était le 12 de ce mois, si j'ai bonne mémoire. Ah oui, je vous remercie. Je suis en train de faire les comptes et il manque de l'argent. Il y a un trou de 80 000 marks depuis le 12. Dites-le à Monsieur Kozak. On lui a peut-être tiré dessus, mais il ne s'est pas fait voler le moindre sou. Monsieur Kozak a certifié qu'il n'avait rien sur lui quand ça s'est passé. Eh bien, renseignez-vous auprès de sa belle-fille. Je m'en voudrais de passer pour un... Alors, demandez à la banque. Que dirait la banque en apprenant qu'il existe un comptable qui ne sait même pas où est l'argent? Je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voyez... D'après moi, quelque chose se passe. Et je trouverai ce que c'est. Allô? Ah, tout de même. Vous avez été bien long. Bah, c'est pas ma faute, hein, il manque des pièces. Quoi? Débrouillez-vous comme vous voulez, mais j'ai besoin de ce fusil aujourd'hui même. Vous entendez? Mais je peux pas, j'ai pas la lunette de visée. C'est trop tard maintenant. Livrez-le-moi tel quel. Ça servira à rien pour les munitions. C'est la semaine prochaine. C'est Henri. Y a-t-il quelque chose qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-nous. Regarde un peu comment Henri est éclairé. On peut le voir d'ici. Alors Kozak aussi a dû le voir. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et si ça s'était passé autrement? Ah, on a suivi sa déposition à la lettre. Et regardez. Elle est ici, sa place de parking, tu vois. Sa voiture était garée là et c'est de ce pilier qu'on lui a tiré dessus. Oui, mais le 12, la lumière n'était peut-être pas allumée. Tu me prends peut-être pour un débutant? Dis-lui donc si elle était allumée, cette lumière de 12. Oui, elle était allumée. Bon, alors reprenons. Il est sorti de sa voiture. Je me trompe? Ensuite, il a fermé la voiture, comme ça. Il s'est avancé par là. La balle est entrée ici et elle est ressortie par là. Pourtant, le tueur est là, non? Tu sais, Kozak est âgé. Malgré ses airs d'homme infaillible, il peut très bien avoir commis une erreur. C'est une hypothèse. Il peut aussi avoir reconnu celui qui lui a tiré dessus et il essaie de nous le chercher. Tu y vas fort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On remet ça? Là. Qu'est-ce qu'il y a, Eilert? Kozak a déjà été impliqué dans une affaire. Il y a longtemps, mais... J'ai oublié ce que c'était, tu n'étais pas encore dans ce service. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une petite faim, moi. Ah, tu ne penses qu'à ça, hein? Tu sais quelque chose sur Gansel, celui qui tient le parking? Je voudrais une bière, s'il vous plaît. Oui, madame, tout de suite. Monsieur Friedman.
Monsieur Cossack. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu m'as épousé? Et toi, tu te rappelles peut-être pourquoi tu m'aimes? À cause de ta volonté, de ta détermination. C'est tout? Ou alors parce que je suis fainéant. Et qu'il me faut une femme dans ton genre. Dixit, mon père. Continue. Parce que tu as de très jolies mains. Parce que tu as un corps splendide. Je vois que tu n'apprécies que mon physique. Ton esprit est accaparé par les affaires. Par les idées ambitieuses. Tu aurais le droit de m'en blâmer. Au contraire. Tu as tout ce que je n'ai pas. Tu en es jaloux? Non, pourquoi? Je le comprendrai. Pense à tes parents. Tu ne vois pas ce que je représente pour eux. J'ai besoin de garder mes forces pour d'autres projets. Madame. Merci. Monsieur. Merci. Le soleil se lève sur le Yangtze-Kiang. C'est le nom de ce cocktail. Oui, chef. Tu as très bien choisi. Cesse de m'appeler chef sans arrêt. Oui, chef. Tu vois, c'est une première dans ma vie. Quelqu'un a réellement besoin de moi. Qui? Toi. Moi? Tu veux rire? Alors, réponds à cette question. À ton avis, qui a tiré sur mon père? Toi. Bien sûr. Tu avais déjà essayé, rappelle-toi. Quand tu avais 14 ans, ta mère m'a tout raconté. La police l'ignore car tes parents ne leur ont rien dit. Et ça n'est pas tout. Après, il y a eu cet accident de voiture. Et c'est toi qui as pris le relais. Tu ne l'as pas fait toi-même. Tu as engagé quelqu'un. Oui, mais je n'ai pas de raison de le tuer. Sauf si tu caches quelque chose que tu lui as fait dans son dos. Quelque chose de très grave. Quoi ? Quoi, par exemple? Tu sais que je te connais comme personne. Supposons que tu spécules en bourse. Que tu perdes. Disons 500 000 marques. Alors, les ennuis commencent. Quelle horreur si jamais il l'apprenait. À coup sûr, nous serons déshérités et la petite Suzanne se retrouverait sans rien. Et cette idée lui est insupportable. Tu as tellement de haine pour lui que tu t'imagines que tout le monde le déteste autant que toi. Dorénavant, tu devras compter avec moi pour réussir. Ton ambition, tes projets, tu devras tout partager. Je peux réussir toute seule. Je ne crois pas. Et je vais te le prouver. Puis-je prendre la commande? Je vous conseille vivement le... Oh, ça n'est pas la peine, Monsieur Friedman.
En entrée, je prendrai cette salade aux truffes. Et aussi l'aiguillette de dinde à la Florentine. Et puis une salade de fruits. Et un sorbet au citron. J'ai faim. Merci. Quand je pense qu'elle a été élevée à l'orphelinat comme moi. Et depuis quand tu as été dans un orphelinat? Aujourd'hui, rien ne lui échappe. Elle te plaît, Suzanne Kozak, hein? Elle est très jolie, elle dirige la société de son beau-père. Moi, je le trouve très bien. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Rien du tout. Bien sûr, quand on a ton âge, on peut se permettre de dire ça. Mais c'est gentil, ça. Dis donc, au fait, qui aurait hérité de Kozak si notre tireur avait atteint sa cible? Son fils, Holger Kozak. Oui, mais sa femme serait restée à la direction, n'est-ce pas? Eh oui. Eh ben, on ne s'en fait pas, à ce que je vois. Vous êtes bien tranquille en train de manger, pendant que moi, je fais le coursier. Bonsoir quand même, Maya. Bonsoir, chef. C'est exactement le renseignement que je cherchais au parking. Voilà ce que je n'arrivais plus à me rappeler. Est-ce que je peux savoir de quoi il s'agit? Route sèche, pas de virage dans le secteur, pas d'autres voitures. Albert et Elisabeth Kozak sont assis à l'arrière et Holger, leur fils, est au volant. Ils percutent un arbre et ils sont gravement blessés. Étonnant. Et pourquoi est-ce qu'on n'a rien dans nos dossiers? Parce qu'à cette époque, les parents sont allés voir directement le procureur, avec leurs avocats et les certificats médicaux. Ils l'ont convaincu que leur fils n'avait pas prémédité cet accident. Donc, il n'y a pas eu d'enquête. Je vois. Demande comment ça va tourner. À mon avis, Albert Kozak connaît très bien celui qui lui a tiré dessus. Et il nous le cache. C'est quoi, ça? Un bar. Il faudrait en savoir plus sur les Kozaks. Je te parie tout ce que tu veux que tu n'as pas fini ta journée. Quel genre de bar? Un endroit surtout fréquenté par des Anglais. C'est assez spécial. Très spécial. Oui. Qui d'autre y va? Roll Winter, le comptable. Si tu y vas, tu pourras en profiter pour l'interroger au sujet des Kozak. Je ne l'ai pas vu là-bas. Oui, mais tu n'étais pas dans ce bar en même temps que Roll Winter. Tu veux que j'aille ouvrir? Non. C'est certainement ton père. Tant pis pour lui. Tu as besoin de moi. C'est comme ça. Je te l'ai déjà prouvé. Dorénavant, ce sera différent. Tu espères pouvoir te débrouiller tout seul, n'est-ce pas? Ce ne sera pas si facile. Tu devras d'abord réussir à te débarrasser de ton vieux père. Ce sera différent, tu verras. J'ai même décidé d'avoir un enfant. Toi, tu en as de bonnes. Ça n'a rien d'anormal pourtant. Oui, c'est ça. Tu espères peut-être me dominer comme ça. Tu ne réussiras pas. Ni toi, ni personne. Pourquoi devrais-je te dominer? Tu rêves de devenir comme ton père. C'est pour cette raison que tu veux le tuer. Oui. Je veux quand même un enfant.
Tu n'auras rien du tout. Tu m'aimes par peur d'être seule dans ce monde où seule Lilou survive. Tu ne peux rien y changer. Toi qui n'as jamais peur de rien, n'oublie pas que subitement tu peux te retrouver sans un sou. Je te tuerai d'abord et moi ensuite. Je t'aime, Olga. Tais-toi maintenant. Tu as besoin de moi. Oui, ça peut te faire plaisir. C'est la vérité. Non. Et hop. Sœur. Un verre d'eau minérale, sœur. Mais quelle marque désirez-vous, sœur? Oh, bonsoir, commissaire. Je ne pensais pas que vous aussi, vous... Ça ne vous ennuie pas que je sache que vous venez ici? Non, pas du tout. Excusez-moi. Sœur, donnez-moi un double whisky sec. J'imagine que vous êtes venu pour me voir. Exactement. Georgie, would you bring the drink over there? Venez par ici. Excusez-nous. Cheers. Cheers. Je savais qu'elle ne pourrait pas tenir sa langue. Qui donc? Wagner. Oui. Il manque 80 000 marks sur le compte depuis le 12. Je vais trouver qui et pourquoi, et vous ne ferez pas changer d'avis. Oh, mais je n'y tiens pas, monsieur Winter. Vous faites fausse route. Vous êtes sûr que cette recherche m'intéresse comme tout ce qui concerne la famille Kozak? Georgie, please, another drink. Yes, sir. Et elle ne vous a rien dit d'autre, madame Wagner? Elle ne m'a rien dit du tout, cette brave dame. Rien du tout. Un moment, commissaire. Qui vous a mis au courant, alors? Vous? Voilà, Rolf. Plus tard. À votre santé. Vous disiez qu'il manquait 80 000 marques. Dites-moi tout ce que vous savez là-dessus. Ce sont des détails sans grande importance. Je vous écoute, je jugerai moi-même de leur valeur. Si vous voulez, tout porte à croire que l'on a manipulé les comptes. Pourtant, la somme était à la banque. Certains relevés ont disparu et je cherche toujours un éventuel justificatif sans trop y croire. Je n'ai pas encore tout vérifié, mais je trouverai le fin mot de l'histoire. Fermé. Le service est terminé. C'est curieux, monsieur Gansel, vous n'êtes jamais au parking? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ma femme s'en occupe. Vali, amène-toi. Elle va vous dire quelque chose. Pourquoi n'est-elle pas venue nous en parler plus tôt? Parce que... elle est rentrée de voyage cette nuit, alors elle était chez ses parents depuis l'11. C'est arrivé après que je sois partie. Oh, ce pauvre monsieur Kozak. Et pendant tout ce temps, vous ne vous êtes pas téléphoné? Vous prenez quelque chose? Merci. Votre service est déjà terminé. Pourquoi vous ne vous êtes pas téléphoné? Parce que mes parents, ils n'ont pas le téléphone. Crache le morceau qu'on en finisse. Bon, d'accord. Tout ça s'est passé un peu avant mon départ.
Un type avec une drôle d'apparence. Il traînait souvent au parking. Quel genre d'homme? Vous pouvez me le décrire? Oui. Il était... Il... Bah vas-y, dis-le. C'était un noir. Un homme de couleur, quoi. On peut très bien dire les deux. Un métis, vous voyez? Un métis, c'est ça, oui. Un vrai métis. Un peu comme moi? Non, beaucoup plus clair. Enfin, moins sombre. Albert, viens te coucher. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour subir tout ça, Elisabeth? Je n'en sais rien. Enfin, il est 9h15. Je vous suis. Attendu. Oui. Bonjour, Léo. Bonjour. Tu connais l'heure d'ouverture du bureau de Kozak? Il est ouvert depuis un quart d'heure. Bon. Où sont passées les 80 000 marques? Quelles 80 000 marques? Je te demande où sont passées les 80 000 marques. Ceux que tu as prélevés du compte de l'entreprise. Madame Wagner m'a prévenu. Où sont les 80 000 marques? Pose cette question à Holger. Inutile de lui demander. Et pourquoi pas? C'est toi qui as cet argent, j'en suis sûr. Tu l'as pris sur le compte. Le 12 de ce mois. Moi? Tu as bien entendu. J'ai même dû téléphoner à la banque. 80 000 marques en billets de 1000, ça ne s'oublie pas facilement. En plus, tu ne t'es pas gêné pour imiter ma signature. Je n'ai pas imité ta signature. Il était exactement 9 heures. Ils s'en souviennent très bien. Et tu sais ce qui aurait dû se produire le 12? Non. Et pourtant, tu le devrais. Non, je n'en sais rien. C'est le matin où quelqu'un est venu au parking pour me tuer.
Rends-moi cet argent. Je ne l'ai plus. Je n'ai plus rien. Tu croyais qu'en émettant ma signature, personne ne te soupçonnerait. Me soupçonner? Mais tu es devenu fou! Bien sûr, puisque tu savais qu'à 11h, ton tueur allait me trouver et que j'allais mourir. Est-ce que tu as bientôt fini? Veux-tu que je te dise qui a cet argent? Oui, je t'écoute. Le type qui m'a tiré dessus, le noir que tu as engagé! Oh! Dans ce cas, pourquoi n'as-tu pas prévenu la police? Tu leur as raconté que tu n'as rien vu à ce moment-là. C'est ce que tu as dit. Alors, pourquoi? Parce que... je savais que... qu'un de vous deux l'avait pillé. Je savais tout ça. Je savais tout ça. Holger avait essayé une fois, avec la voiture. Et voilà que maintenant, c'est toi qui essayes. Pourquoi n'as-tu rien dit à la police quand ils t'ont interrogé? Parce que... J'avais honte de moi. J'ai honte d'avoir de tels enfants. Tu ne te sens pas bien. Je n'arrive jamais à me rappeler de l'étage. Deuxième étage. Merci. J'ai le fusil à lunettes. Les munitions aussi. J'ai besoin d'un pistolet. Monsieur Winter, vous voulez bien fermer la porte, s'il vous plaît? Monsieur Winter. Vous ne voulez pas rentrer chez vous, Madame Wagner? Vous pouvez y aller. Merci. Il n'y a plus rien à faire. Elle est morte. La balle s'est logée dans le cœur. Vous êtes certain qu'elle n'est pas ressortie? Non. Sinon, elle vous aurait touché également.
Vous avez encore besoin de moi? Non. Merci, docteur. Merci. Au revoir. Au revoir. Werner, ils n'ont pas encore relevé les empreintes? Non, ils sont en face à l'endroit où était le tireur. Monsieur Kozak, j'attends. Je vais répéter ma question. Pourquoi m'avoir menti en me disant que vous n'aviez pas vu l'homme qui vous avait tiré dessus? C'était un noir. Tous les noirs se ressemblent. Je vous en prie. Je n'ai pas envie d'en parler. Et moi, je vais vous le dire. Vous vouliez protéger votre fils. Ou alors votre belle-fille, ou bien les deux. Où est votre fils en ce moment? Je n'en sais rien. C'est elle. C'est elle qui a pris les 80 000 marques. Et non, Holger. C'est elle. C'est elle qui a engagé le tueur. Bien, essayez de me décrire le noir qui vous a tiré dessus. C'est elle. Pas mon fils. Alors pourquoi est-elle morte? Où sont passés les autres? Ils sont à l'étage au-dessus. Et Gert Heimann? Il est avec eux, je crois. Il m'a dit qu'ils allaient importer du textile de Taïwan. Je ne pouvais pas deviner. Ou alors, chaque fois que je traite une affaire, il faudrait que j'aille enquêter au registre des métiers. C'est bon, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Hausner. Walter Hausner. Monsieur Hausner, je vous remercie. Non, Léo, non. J'ai un témoin, une femme qui était à sa fenêtre et qui a tout vu. Mais... Le noir, il a traversé le parking en courant à toutes jambes. Et ensuite, il s'est envolé. Oh. Un moment, Gert. Est-ce que vous pouvez m'attendre à côté, monsieur Kozak? Navré, monsieur Kozak. Non, j'ai pas la peine de vous excuser. J'avais eu très peur d'être accusé pour ces 80 000 marques. Mais ce n'est pas tout. Et je préfère vous prévenir maintenant. En vérifiant les comptes, j'ai vu qu'il manquait au moins... 1 million. Et le type avec les jumelles, tu sais? Gert? Ben, j'ai une description qui correspond assez bien à Holger Kozak. Qu'est-ce que tu proposes? De lancer un avis de recherche. Eh bien, lance-le. Est-ce que tu retournes au bureau demandant une liste complète de tous les noirs de la ville qui ont un casier judiciaire? Et tu en as besoin pour hier, évidemment. Tu comprends très vite. Tu sais que je te vois, là. Oui, moi aussi. Revenez par ici, maintenant. Allez, je vous attends. À tout de suite. Werner Riedman. Il s'accommode, madame Kozak. Il est ici. Donne-moi juste la clé. Werner, regarde-moi ça. Conclé tout de suite. Avec un peu de chance, c'est le reste de l'argent que le tueur devait toucher. Mmh. $40 000 en tout. Bon, je prends l'argent pour l'instant. Tu peux t'en occuper et faire analyser le contenu du tiroir. Mmh. Vous êtes là, monsieur Kozak?
Qui d'autre a la clé de ce bureau? Monsieur Kozak. Hein? Du nouveau, commissaire. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Oui. Suzanne est là. Elle possède un double que j'ai fait faire spécialement pour elle. Mais il y a autre chose. Winter vient de me l'apprendre. Je sais, je suis au courant. Fais attention. Bonjour. Il faut que je parte voir ma femme. Je ne peux pas la laisser seule. Allez-y, je n'y vois aucun inconvénient. Et n'oubliez pas de venir demain au commissariat. Autant vous prévenir tout de suite. Vous aurez besoin d'un bon avocat. À votre place, je redouterai quelques complications. Tu voulais me dire quelque chose ? Voulez-vous voir votre femme une dernière fois? Où est-ce que vous étiez passé? Comment? Ben oui, où étiez-vous tout à l'heure? Je répète ma question. Où étiez-vous entre le moment où vous avez fui tout à l'heure et maintenant? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Monsieur Kozak. J'étais très certainement dans le parking. Et... J'étais peut-être en train d'attendre dans ma voiture. Monsieur Kozak. J'étais dans ma voiture. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas poursuivi quelqu'un dans les escaliers? Comment je? Vous croyez que personne ne vous a vu dans l'immeuble d'en face? D'accord, j'ai couru après quelqu'un. Après que Suzanne a été touchée, je l'ai vue et je me suis dit que... Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Rien, ça a fait comme un réflexe et j'ai pensé à rien. Je l'ai poursuivi tout simplement. De quoi avait-il l'air? Il s'enfuyait. Décrivez-le-moi, bon sang! Mais qu'est-ce que je dois dire? Grand, gros? Quelle taille avait-il, ses vêtements? Enfin, vous avez dû voir quelque chose tout de même. Non, non. Il était noir, jaune, blanc? Non. Mais ça veut dire quoi, non? Il était blanc. Je croyais que c'était facile à voir. Monsieur Winter, je dois passer un coup de fil, puis-je utiliser votre téléphone? Oui, je vous en prie, oui. Merci. Vous pouvez vous lever. Au cas où personne ne l'ait fait, je dois vérifier si vous portez une arme. Vous permettez? Dès que Holger Kozak quitte l'immeuble, vous ne lâchez pas d'un pouce où qu'il aille, hein, que ce soit à pied, à cheval ou en voiture. Bon, je suis au bureau. Appelez-moi dès que vous avez du nouveau, surtout. Dites, j'ai fini ma journée. Je voulais savoir si je pouvais partir. Oui, allez-y. Merci. Mmh.
Cette fois-ci, ne me faites pas perdre mon temps. Ce n'était qu'un jeu. Un jeu de quel genre? Quel genre de jeu, monsieur? Je vous écoute. Votre femme était-elle au courant? Non, elle n'en savait rien. J'étais jaloux de ma femme. Tout simplement. J'étais jaloux de sa réussite. Jaloux de chaque jour qu'elle vivait sans moi. Elle était tout pour moi. Elle était toute ma vie. Tout ce que je ne suis pas. Vous comprenez? C'est elle que j'aimais le plus au monde. Oui. Oui, je peux vous comprendre. Et ça fait longtemps que vous jouiez à ce jeu-là? 9, 10, 15 jours. Je peux m'en aller? Oui. Je vais vous demander de rester à notre disposition. Monsieur Kozak, je ne vous ai pas encore dit combien je suis désolé de ce qui est arrivé à votre femme. Excusez-moi. Quel manque de savoir-vivre. Dis-moi, tu l'as laissé filer parce que tu crois qu'il est innocent? Parce que tu veux le coincer? Il se peut qu'il connaisse celui qui a tué. Il a préféré ne rien nous dire. Il fait comme son père. À mon avis, il va retrouver le tueur. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne nous fait pas confiance. Oh, là, tu exagères quand même beaucoup. Je ne vois pas quoi dire de plus, monsieur le commissaire. Je n'ai aperçu qu'une seule personne qui s'enfuyait. C'était un noir, c'est tout. Il n'était pas poursuivi par quelqu'un d'autre? Je vous en prie, madame Lanke. Même s'il s'agit d'un petit détail. Il y a bien cette grosse voiture qui a démarré. Une voiture? Oui, enfin, une camionnette. Je me rappelle avoir vu une inscription dessus. Il y a longtemps, une chanteuse portait ce nom-là. Je vous écoute, madame. Zara. Zara Leander. Zarathustra? Zarathustra, c'est ça. Je me demande bien ce qu'il est en train de fabriquer. À mon avis, c'est pas encore l'heure de son rendez-vous. J'ai plutôt l'impression qu'il nous fait visiter la ville, oui. Ayman. Oui. Il est au Zarathustra. Allons-y. Henri, tu es prêt, oui? Tu connais Walter? Oui, il était là. Je ne sais pas quoi faire. Se peut qu'il n'ait pas écouté la radio. Il ne sait pas que sa femme est morte. Qu'est-ce que je fais? Je lui présente mes condoléances ou je fais mine de rien? À mon avis, il ne serait pas là s'il était au courant. Bon, moi, je fais comme si je ne savais rien. Tu as raison. Monsieur Kozak. Monsieur Friedman. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde ce soir. Non, c'est vrai. Mais il est encore trop tôt.
Puis-je vous demander une faveur? Est-ce que je peux visiter les cuisines, si ça ne vous ennuie pas? Aucun problème, monsieur Cossack. Everything all right, baby? Oh, les mains! Lâchez votre arme, monsieur Cossack. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation. Henry. Vous pouvez commencer votre déposition. J'ai tout mon temps. J'ai pas grand-chose à vous dire. Je t'assure que tu finiras par parler, mon frère. Laisse-le, Henry. Je m'en occupe. Bon, d'accord. J'ai pas grand-chose à raconter là-dessus. Je n'avais pas l'intention de tuer cette fille-là. Ça aurait été stupide de ma part. Dans ce cas-là, je n'aurais jamais récupéré le reste de l'argent. N'est-ce pas? Tout ce que je voulais, c'était l'avoir, lui. Et l'argent qu'il me devait, 40 000 marques. Tu comptais faire un voyage de noces, hein? Henri. Oui. Tu veux bien me laisser seul avec lui? Bon, bon, d'accord. Je ne supporte pas de le savoir ici! Qu'il foute le camp! Je préfère te le laisser. Je suis désolé. Je voudrais savoir une chose. Qui vous a procuré cette arme? Bonsoir. Bonsoir.